Bonjour à tous. L'Espace Jeune fête aujourd'hui ses 10 ans d'existence, 10 ans pendant lesquels on a essayé de répondre au mieux aux demandes des jeunes germinois, que ce soit dans tous les domaines de la vie quotidienne. Ce sont des demandes de toute nature. On essaie de rebondir un petit peu sur les attentes des jeunes, ce qui veut dire qu'il faut soit qu'elles soient exprimées, soit qu'on les suscite. Donc les structures Information Jeunesse, avec ce label, ont pour vocation d'informer les jeunes et les moins jeunes sur tous les domaines, on va dire, de la vie quotidienne. J'ai cité tout à l'heure, hein, ça va du transport, logement, les études, etc. etc. L'avantage, c'est qu'on est allé au-delà de la demande, c'est-à-dire on a suscité la demande en créant la structure là où venaient les jeunes, sur le lieu, sur ce qui est devenu un lieu de vie de jeunes. Donc effectivement, la demande a été de suite un peu plus forte. Ensuite, pratiquer quelques activités, puisqu'on est aussi un lieu d'activité, de pratique d'activité de loisirs. Vas-y les gars. On est de plus en plus connu et reconnu pour ce type de service. Donc maintenant, je veux dire qu'on a une progression plus régulière, plus douce. Mais effectivement, c'est assez exponentiel quand même, dans la mesure où... Je ne saurais pas dire de chiffres, hein, de mémoire, mais on a beaucoup de demandes exprimées par les jeunes. Hein, pareil, ceux qui sont de ce côté, rapprochez-vous. Ouais, je vois qu'à ça, j'aime, ça bouge, hein. Mets-moi le son. Maintenant, la sélection. Parce que le game, c'est aussi. Il y a un peu de raga, tout ça, pas pour vivre. Ouais, faites un maximum de bruit, hein. Peut-être qu'il y a quand même des gens qui sont là, hein. N'hésitez pas à faire un maximum de bruit, hein. Ok, et hey, yes, vous allez faire. Pop, 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 pop